c'est l'Église, l'Église, c'est nous. Non, c'est pas bon Dieu qu'à adorer. Notre travail coûtait à sauver. Alléluia. C'est l'Église qu'on pédé, ça nouillait. Oui, oui, nous, c'est l'Église, l'Église, c'est nous. Non, c'est pas bon Dieu qu'à adorer. Notre travail coûtait à sauver. Alléluia. C'est quand Jésus qui vivra, c'est créer l'Esprit Saint, l'Église est un peu témoignant. Si elle est vite en pénible, ça noyait. Oui, oui, non, c'est l'Église, l'Église, c'est nous, non, c'est pas bon Dieu qu'à adorer. Notre travail tout est à sauver. Alléluia. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes le 21 septembre. L'Église célèbre la fête de Saint Matthieu, apôtre et évangéliste. Préparons-nous, mes frères et mes sœurs, à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne de tous nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Thank you.
Dans ta miséricorde sans égale, tu as choisi le bienheureux Matthieu pour faire de ce publicain un apôtre. Donne-nous, par sa prière et avec son exemple, de te suivre et de nous attacher à toi fermement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 4, les versets 1 à 7, puis 11 à 13. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous encourage à suivre fidèlement l'appel que vous avez reçu de Dieu. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Rassemblez dans la paix. Et à cœur de garder l'unité dans un même esprit. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Mais chacun d'entre nous a reçu le don de la grâce comme le Christ nous l'a partagé. Car il a fait les dons aux hommes et il leur a donné d'abord les apôtres, puis les prophètes et les missionnaires de l'Évangile, et aussi les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, le peuple saint est organisé pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ. Au terme où parviendront tous ensemble à l'unité de la foi et la vraie connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la plénitude et à de la stature du Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Méditons le psaume 18 et nous répéterons. Par toute la terre s'en va leur message ensemble. Par toute la terre s'en va leur message. Le ciel raconte la gloire de Dieu, et l'œuvre de ses mains, le firmament l'annonce. Le jour au jour en livre le message, la nuit à la nuit en donne connaissance ensemble. Par toute la terre s'en va leur message. Ce n'est pas un discours, il n'y a pas de mots, ni de voix qu'on puisse entendre. Ce qu'ils proclament a retenti par toute la terre, et leurs paroles jusqu'au bout du monde ensemble. Par toute la terre s'en va leur message. Mettons-nous debout pour l'acclamation à l'Évangile. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, amen. À toi, Dieu, notre louange, nous t'acclamons, tu es Seigneur.
C'est toi que les apôtres glorifient, Seigneur. Sois loué, Seigneur, dans ton temple saint. Sois loué dans le ciel de ta puissance. Sois loué pour tes actions d'éclat. Sois loué, Dieu d'amour et de bonté. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus, sortant de Capharnaüm, vit un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de publicain, collecteur des impôts romains. Il lui dit, « Suis-moi. » L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains et de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient aux disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu cela, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que veut dire cette parole. C'est la miséricorde que je désire et non les sacrifices. Car je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. À Frère Maximio, l'Église a célébré fête Saint Matthieu, apôtre et évangéliste. Nous portons couleur rouge pour que ça, c'est parce que parmi tout apôtre Jésus, tout mourit martyr, sauf Jean qui pas mourir martyr. Donc si je dis à cette fête Jean, il a tapoté couleur blanc parce qu'il pas mourir martyr. Mais tout l'autre évangéliste, en fait, tout l'autre apôtre Jésus, ils ont tous mouru martyr. Donc, je dis à la célébrer fête Saint Matthieu, et puisque le témoin est martyr, donc nous portons couleur rouge. Saint Matthieu, nous habitués tant d'il. Lycéons évangéliste. D'ailleurs, l'évangile que nous lisons aujourd'hui sorti dans l'évangile selon Saint Matthieu. Mais avant Matthieu était évangéliste, qui est-ce qui était? L'Évangile dit nous que Matthieu, c'était un collecteur d'impôts. Collecteur d'impôts qui veut dire que Matthieu tape travail pour Romains, mais contre Juifs. Donc, on est à l'époque, Juifs ont subi l'oppression Romains. Donc, Romains ont dominé. Et Matthieu, c'était un collecteur d'impôts. On est capable de demander, par exemple, est-ce que je ne vous dis, nous avons en Haïti qui travaillent pour l'autre pays, mais contre Haïtiens. Est-ce que nous jouons ça en Haïti? Eh bien, ne pas répondre. Est-ce que nous jouons ça? Nous n'avons pas besoin de peur. Caméra est sous moi, la caméra pas sous nous, nous avons besoin de peur. Hein? Est-ce que nous jouons ça en Haïti? Comment nous voyons ça? Les gens qui travaillent contre Haïti, mais pour l'autre nation. Comment le peuple a voyé ça? Vous voyez bien?
ou bien ouais au mal. Il ouais au mal. Et puis c'est comme ça où tu vois Matthieu. Il te voit Matthieu très mal. Il te voit Matthieu dans une traite parce que la travaille au détriment de nation li. Mais ça qui pourrait paraître étonnant, c'est que nom ça Jésus pral choisir pour le capable faire partie du groupe 12 là. Et d'ailleurs, Matthieu a été le dernier appelé, c'est lui-même Jésus qui est en dernier. Malgré Matthieu pas de gain bonne vie, mais Jésus relé. Ça veut dire que ça fait maximum. Quelle que soit la situation la vie ou qui en place bon côté Jésus. Quelle que soit la façon à vivre ou qui en place bon côté Jésus. Quelle que soit la société à ta mettre de côté ou qui en place bon côté Jésus. Et Jésus a dit même bagaille que le dit c'est Matthieu. Venez, suivez-moi. Mais quand c'est vous-même qui va regarder, est-ce que vous êtes attentif à l'appel du Seigneur? Est-ce que l'air bon Dieu relé ou ouvert cœur, ouvert oreille ou bouton d'elle et marcher derrière elle? C'est ça qui est important. Et ça fait, l'or est bon Dieu gain pour le choisir ou pour le relé ou bien pour le faire une merveille dans la vie ou, il n'est pas regarder sous condition où à vivre, il n'est pas regarder moyens économiques ou, riche ou pas, il n'est pas regarder conditions sociales ou, il n'est pas regarder comment société a mis de côté pour le capable briller ou. Dès que vous entrez dans le plan bon Dieu a brillé ou et l'a fait route avec ou, l'a libéré ou, l'a délivré ou quand même, de pour faire partie du plan bon Dieu. Et connaît que nous tous qui là, nous faisons partie du plan bon Dieu. Bon Dieu a un plan pour nous chaque. Qui vient faire que, je n'ai pas besoin de regarder qui ça bon Dieu fait pour l'autre là. Parce que m'oublier c'est bon Dieu qui a un yeux sur moi et que bon Dieu a gagné pour passer avec moi, même si je passe à l'autre là. Et ça fait dans l'église, pas de jalousie. Dans l'église, pas de comparaison. Je dis assez pour frère maintenant, mais demain, c'est va tout pas. Je dis assez pour moi, mais demain, c'est va tout frère maintenant. Donc, nous pas gagner pour nous comparer. Nous pas gagner pour nous faire jalousie. Les bon Dieu que les Matthieu, Matthieu suivent lui. Matthieu quitte toute bagaille. Nous dit bien. Matthieu était un collecteur d'impôts. C'était un homme qui est riche. Les bon Dieu relèl, bon Dieu parle Matthieu pour l'albaï le travail, pour l'albaï un autre job, côté la prendre plus. Les mandels pour le quitter au contraire, tout ça le gagne, tout bien. Et puis, marcher d'elle. Je dis à bon Dieu après lui. Et c'est chaque jour après lui. Qui sont prêts pour quitter pour suivre Jésus? Là, c'est notre question. Matthieu était quitté tout ça le gagne, Matthieu était quitté bien. Matthieu t'a quitté richesse li, Matthieu t'a à l'aise, Matthieu t'a fait l'argent, mais qui t'a tout bagaille. Li pa mandé que mettre là koto bra la veme. Bon Dieu relèl, li suiv li. Konti chante que nous konti chante ensemble, donc on dit grand maître, moi pa mandé ou kote ou bra la veme. Encore, encore, grand maître, mon pape m'a dit, côté au bras la veine, c'est vous qui guérez, ou dis-moi, suivez-vous, moi. Grand maître, là, relis Matthieu, Matthieu suit, grand maître, là, Matthieu obéit, seul pas m'a dit, bon Dieu, qui côté au bras la veine, frère, seul, comprendre ça bien, apprendre ça. Ou qu'on c'est bagage qui vont dans la vie ou une situation que ou même comme chrétien va vivre. Chanter, chanter ça. Tu chanter ça pour conforter ou. Grand maître, m'pa mande ou kote bra la vèm. Grand maître, m'pa mande ou pour qui ça arrive. Grand maître, m'pa mande ou pour qui ça c'est dans situation ça mié. Pour qui ça c'est dans situation ça mité. C'est ou qui relèm. C'est ou qui mettem là et bien moi suivre ou moi obéir. Toujours été obéissant. Les bon Dieu gagne pour le faire plan réaliser dans la vie. Toujours été docile. Les bon Dieu voulait passer avec vous. L'elle voulait travailler dans la vie ou bien l'elle voulait travailler la vie ou été obéissant, remettre toute bagaille dans mes bon Dieu. Que même pas demander rien. C'est vous qui relim, c'est vous qui voulez, m'pa gagne l'autre bagaille pour me faire que obéir. Donc Matthieu a obéi. Il a tout quitté, il a tout
tout laissé pour suivre le Christ. Et les Matthieu fin suivre bon Dieu. L'elle fin rencontrer avec bon Dieu. Parole bon Dieu a dit nous, Matthieu fait fête. Il fait un gros festin. Matthieu, il est content. Il y a raison pour Matthieu content. Matthieu content parce qu'il rencontre avec Jésus. Si vous pouvez rencontrer avec Jésus, frère Maxime, vous ne pouvez pas être content. Vous pouvez en joie. Vous pouvez en joie tout bon. C'est le bon Dieu qui rentre dans la vie. Vous pouvez être content tout bon. Ce n'est pas les gens qui ont été rentrés dans la vie, non? Ce n'est pas les maris qui ont demandé bon Dieu en joie ou quelqu'un qui est content, non? Ce n'est pas le madame qui a demandé bon Dieu en joie ou quelqu'un qui est content, non? Ce n'est pas l'on joue un visa ou bien on joue un 10 000 là. Ce n'est pas le ça ou quelqu'un qui est content, non? Ou bien qui est content tout bon. C'est le bon Dieu rentré dans la vie. Ce n'est pas l'on rencontré avec Biden, mais c'est l'on rencontré avec Jésus. Ce n'est pas l'on rencontré avec Macron ou bien Macron qui est là dans l'autre pays. Ce n'est pas le ça ou bien qui est content. Ou bien qui est content, c'est l'on kembe bon Dieu. C'est leur gagner, bon Dieu. C'est leur rencontrer avec bon Dieu. C'est le bon Dieu transformer la vie ou c'est le bon Dieu changer la vie ou. Ou pas qu'un cœur content, leur jouer un travail là, non? Les ouvriers, leur retour, et bien m'augmenter ça alors, ou bien mon bon travail, non? C'est pas leur sort qui est content. Cœur content, ça a passé. Cœur content, ça a éphémère. Mais leur jouer une véritable cœur content, c'est leur rencontrer avec bon Dieu. Et leur finir rencontrer avec bon Dieu, ça, ou qu'un bel, ou pas jamais la gueule, ou pas jamais bailler, pour quel que soit bagaille là. Parce que bon Dieu, c'est bon Dieu. Donc c'est lui-même seulement qui est capable de faire cœur content définitivement. Donc Matthieu fait rencontrer avec Jésus. Matthieu est content. Matthieu fait fête. Et Matthieu a invité tout le monde à venir fêter ensemble avec lui. Là, il dit pharisien, il a dit disciple Jésus. Mais pour qui ça met nous à manger avec pécheurs ou avec publicains? N'est-ce pas trop sale? La vie n'est-ce pas trop pas bon pour Jésus, c'est la qu'il a mangé. Et bien, je dis à qui me dit que bon Dieu pas garder sous condition la vie ou sous gens la vie ou sale. C'est vous, c'est pécheur. Mais bon Dieu pas garder sous condition de pécheur sous pour rentrer la caillou. Pour venir demeurer la caillou. Pour venir faire fête avec vous. Lui seulement veut quitter péché. C'est ça, mon Dieu veut. Quitter péché et puis bal caillou. De pour quitter péché ou bal caillou, la patrie la donne, la patrie dans la caillou. La patrie dans la vie ou. Et la transforme la vie ou. Quitter péché seulement. Il n'est pas fini pour les gens qui sont bien, pour les gens qui sont grands, pour les gens qui sont forts. Il n'est pas pour les gens qui sont venus. Il vient pour moi-même comme pécheur. Il vient pour moi-même comme pécheur. Il vient pour ceux-là qui reconnaissent qu'ils sont limités, qu'ils sont pécheurs. Parce qu'ils veulent transformer la vie, parce qu'ils ont un plan dans la vie. Ils ont un plan pour eux. Je dis à connaître que bon Dieu a un plan pour eux. Rentrer dans le plan. Connaître que bon Dieu a un but pour eux. Rentrer là-dedans. Connais que bon Dieu qu'on travaille, il veut faire dans la vie. Pas la possibilité pour rentrer dans la vie pour faire travail ça. Et quel que soit le monde que vous avez, me dit bien, quel que soit. Parce que pas que monde, bon Dieu, pas changé. Pas que cœur, il n'est pas transformé. Pas que la vie, il n'est pas bouleversé. Et pas que dans la caille, il n'est pas qu'à rentrer. Ouvrez la caille, Fais l'entrée. Mandez-le pour l'entrée, la rentrée. Ouvre cœur, mandez pour l'entrée, la patrie. Ouvre famille en bas l'entrée. Et quelle que soit vieille force, nous sommes capables de gagner en famille, cap tout monter famille. Eh bien, ouvre famille en bas, mon Dieu. Depuis mon Dieu là, toute force fait noir, toute force ténèbres disparaît. Quel que soit gens qui ont été capables, vous mettez 15 personnes sous cœur, 15 000 personnes sous cœur, qui ont été sales. Depuis que volonté pour cœur a changé. Ou fait que bon Dieu a rentré la donne, l'a rentré en grand monde. Bon, c'est pas gagné, on dit, oui, on a un slogan, m'a rentré en, m'a dit en qui ça, mais je préfère dire en grand monde plutôt. Eh bien, Jésus a rentré en grand monde, l'a installé la caille, l'a pchita. Il voulait changer la vie, il voulait convertir, il voulait transformer, même bien transformer Matthieu, même bien te bouleverser la vie Matthieu, après rencontre ça. Ouvrez cœur, ouvrez la vie, bon Dieu a transformé la vie, et vous pouvez tout bagaille marcher selon, pas volonté, pas, mais selon volonté qu'on mette là, parce que le ça, ou pas qui contrôle la vie encore, c'est pas où qui mène la vie, mais c'est bon Dieu qui a mené la vie, et laissez-vous courir, parce que vous avez un bon guide, c'est pas vous qui devant, bon Dieu derrière,
Mais les bon Dieu finit dans la vie, ou qu'on est là, c'est bon Dieu qui est devant, ou même moi marcher derrière. Et là, on est devant, ou même derrière, ça veut dire qu'il prend tout ce coup sur vous. Toute vieille bagaille qui a fini mal devant, et c'est lui qui a pris, c'est lui qui a recevra avant, parce qu'on est caché derrière, ou même protégé. Donc bon Dieu veut marcher derrière. Il veut suivre lui, pour capable protéger, pour capable cacher. Et là, ça, c'est toute la vie qui a transformé. C'est toute histoire qui a transformé. C'est relation avec bon Dieu qui a transformé et qui a fini plus fort dans nos bon Dieu papa. Petite là, avec l'Esprit Saint. Amen. Oh, incomparable du paradis. Michel, je recours à toi, je recours à toi dans ma misère. Toi, le premier croyant et l'adorateur de la Trinité. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exauce-nous. Père Céleste, qui est Dieu, ayez pitié de nous. Fils Rédempteur du monde, qui est Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint, qui est Dieu, ayez pitié de nous. Trinité Sainte, qui est un seul Dieu, ayez pitié de nous. Sainte Marie, Reine des Anges, priez pour nous. Saint Michel, Archange, priez pour nous. Saint Gabriel, Archange, priez pour nous. Saint Raphaël, Archange, priez pour nous. Esprit Bienheureux des Neuf Cœurs des Anges, priez pour nous. Saint Michel, Héros du Christ Roi et de la Reine du Monde, priez pour nous. Saint Michel, Miroir de l'Humilité, priez pour nous. Saint Michel, Terreur des Démons, priez pour nous. Saint Michel, Protecteur et Défenseur du Saint Sacrifice de la Messe, priez pour nous. Saint Michel, Rempli de la Sagesse de Dieu, priez pour nous. Saint Michel, Parfait Adorateur du Verbe Divin, priez pour nous. Saint Michel, Couronné d'Honneur et de Gloire, priez pour nous. Saint Michel, Très Puissant Prince des Armées du Seigneur, priez pour nous. Saint Michel, porte-étendard de la Sainte Trinité, priez pour nous. Saint Michel, gardien du paradis, priez pour nous. Saint Michel, guide et consolateur du peuple Israël, priez pour nous. Saint Michel, splendeur et forteresse de l'Église militante, priez pour nous. Saint Michel, lumière des anges, priez pour nous. Saint Michel, rempart des orthodoxes, priez pour nous. Saint Michel, force de ceux qui combattent sous l'étendard de la croix, priez pour nous. Saint Michel, lien de la charité fraternelle, priez pour nous. Saint Michel, lumière et confiance des âmes au dernier thème de la vie, priez pour nous. Saint Michel, secours très assuré, priez pour nous. Saint Michel, notre aide dans toutes nos adversités, priez pour nous. Saint Michel, héros de la sentence éternelle, priez pour nous. Saint Michel, consolateur des âmes retenues dans les flammes du purgatoire, priez pour nous. Saint Michel, que le Seigneur a chargé de recevoir les âmes après la mort, priez pour nous. Esprit bienheureux des neuf cœurs des anges, priez pour nous. Agneau de Dieu qui ôtait les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui ôtait les péchés du monde, exauce-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui ôtait les péchés du monde, aie pitié de nous, Seigneur. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exauce-nous. Priez pour nous, au glorieux Saint-Michel, prince de l'Église de Jésus-Christ, afin que nous puissions être dignes de sa promesse. Priez pour nous, Saint Gabriel Archange, afin que nous devenions de vrais apôtres de Notre-Dame. Priez pour nous, Saint Raphaël, notre guide, afin que nous soyons fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Seigneur Jésus, sanctifiez-nous par une bénédiction toujours nouvelle et accordez-nous par l'intercession de Saint Michel cette sagesse qui nous enseigne à amasser des trésors dans le ciel et à échanger les biens du temps contre ceux de l'éternité. Vous qui vivez et qui régnez dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Sur le jour de fête, nous vous
vin, ce sont les fruits de nos travaux. Accueille-les. Nous voulons t'offrir toutes nos vies. En ce grand jour de fête, accepte l'offrande de tes enfants. En ce grand jour de fête, nous voulons t'offrir toutes nos vies. Accepte l'offrande de tes enfants. Prions ensemble pour offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En ce jour où nous honorons la mémoire du bienheureux Matthieu, nous te présentons, Seigneur, nos prières et nos offrandes. Nous t'en supplions. Regarde ton Église avec bienveillance, puisque tu as nourri sa foi par la prédication des apôtres, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé ton Église sur les apôtres pour qu'elle soit à jamais dans le monde le signe de la sainteté et qu'elle enseigne à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons te chanter avec les anges et d'un cœur fervent proclamer de seul cœur. C'est le Seigneur, le Dieu de l'univers, hosanna au plus haut des cieux. C'est le Seigneur, le Dieu de l'univers, hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni le nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. » Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort,
Ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde, et la grandir dans ta charité. En union avec notre pape François, notre évêque Max Leroy et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté sur chacun de nous. Permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Matthieu, dont nous faisons mémoire aujourd'hui, et tous les saints qui ont fait ta joie au nom des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons avec confiance cette belle prière que le Christ nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi, le don d'Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vises et qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, en pitié de nous. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen.
Papa me fêtez, Papa me fêtez, non faites la coupe la caille. La montée, les dîmes pour une chaise, chita pour manger à Fouemio. Papa me fêtez, Papa me fêtez, Papa me fêtez, non faites la coupe la caille. Montrer, il dit, pour une chaise, chita pour manger à Fremio. Vive en mon pour manger. Il dit, ça, c'est pas qui pour mon la vie. Pas m'éviter, non fait. Papa m'éviter. Oh,
Ensemble le Seigneur. Dieu nous fait participer, Seigneur, à la joie du salut que le bienheureux Matthieu éprouva en accueillant d'autres heureux le Sauveur dans sa maison. Donne nous de pouvoir toujours refaire nos forces à la table de celui qui est venu appeler au salut, non pas des justes, mais des pécheurs. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Prière aux saints archanges, Michel, Gabriel et Raphaël. Au grand Saint Michel archange, au même qui remplit avec sagesse mon Dieu, qui forme dans tout combat. Venez porter nos secours, soutenez-nous dans les difficultés et dans les épreuves. Consolez-nous de la souffrir, tant qu'on de la prier. Bonne force à courage, pour rien pas faire nous désespérer, ni douter de présence de Dieu dans la vie de nous. Saint Michel, Archange, défends-nous, protégez-nous contre toute force mal. Saint Michel Archange, défends-nous, protégez-nous contre tout ennemi visible et invisible. Nous remets tout combat en nos mains. Saint Gabriel Archange, au même qui s'efforce à messager mon Dieu, portez-nous secours, campez avec nous. Pour nous capables fort avec force, bon Dieu. Campez avec nous, pour toute vie et force, restez loin. Fais-nous remplir avec force, bon Dieu, pour nous arriver à remporter la victoire sur toute force mal. Campez avec nous, pour nous toujours dire bon Dieu oui. Même Jean, la Vierge Marie, te dit bon Dieu oui. Les routes annoncées, naissance, sauve-nous, Jésus-Christ. À travers nous-mêmes, nous voulons confier, bon Dieu, toute la vie. Saint Raphaël Archange, ou même qui compte faire guérison, nous supplions pour guérir nous, ensemble avec tout le monde qui est malade dans le corps, dans le cœur, dans l'esprit. La présenter à tout le monde qui est malade dans la famille, à tout l'autre malade qui compte sur la prière, à ce secours. Ouvrons-nous en baptême, pour aucune maladie parfaite nous paie, mais pour nous toujours faire bon Dieu confiance, lui-même qui a pouvoir guérir toute maladie à toute infirmité.
Supplication à Saint-Michel-Archange. Saint-Michel-Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire. Nous vous le demandons en suppliant. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer par la vertu divine Satan et les autres esprits malins qui errent dans le monde pour la perte des âmes. Ainsi soit-il. Saint Gabriel Archange, priez pour nous. Saint Gabriel Archange, priez pour nous. Saint Gabriel Archange, priez pour nous. Saint Raphaël Archange, priez pour nous. Saint Raphaël Archange, priez pour nous. Saint Raphaël Archange, priez pour nous. Saint Michel, défends-nous. 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 Saint Michel, Saint Michel. Prions petit temps qu'on est là, qu'on a habitué Félix pour que nous capables souhaiter joyeux anniversaire de mariage et joyeux anniversaire de naissance à Xaminoyo et à célébrer un événement heureux jeudi. Bonne fête à Fernand Bastien et Kitler Bastien et à célébrer 34 ans depuis qu'ils ont marié. Bonne fête également à Velvie Renoir et Brunette Métayer. Nous-mêmes, nous avons célébré 21 ans de mariage. C'est pour bon Dieu béni. C'est pour la Vierge Marie toujours intercéder en faveur yo pour couple capable de couple d'elle exemplaire. Bonne fête à Basile Justin, membre de la Grande Chorale. Bonne fête à Élugène Naomi. Bonne fête à Guirlaine Fontaine Jean-Julien, Judy Cazot, Kétia Lambert, Neissa Bécaline Joseph, Perpétua Jude Altagracia Châtelain, bonne fête à Raphaël Jean-Baptiste Junior, bonne fête à Rosario Oligario Abdias Pierre, bonne fête à Sylvester Galland Seva, qui est membre du groupe Les Apôtres de la Vierge Altagrace, bonne fête à Tony Médor, Johnny Emmanuel Lamarque, bonne fête à Duplessis Junaïka, et bonne fête à Neftali Dieudonné, qui a célébré un nouveau printemps. Si vous avez qui là, qui a célébré dans l'église là, nous sommes capables d'avancer pour que nous soyons capables de la prière pour nous, bénir nous, demander la Vierge, intercéder en faveur nous, pendant que nous prions un chant pour nous dire nous toutes bonne fête. Disposez-nous pour que nous soyons capables de recevoir la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et demeure toujours. Amen. À chacun de vous, je souhaite une bonne et sainte journée. Merci mon Père, à vous demain. Merci. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
servi mon Dieu. Comme moi fais salive là, ni pas garder sa moi. Pour lui pencher vin côté, bon Dieu pas te forcer. Libre le faire volonté, lui quitter, lui pour choisir. Soit l'enfer, soit paradis, mon Dieu c'est vous moi blé. Vous seul qui la vérité, toute bagaille m'est crasée. Vous me voyez toujours campé, qui côté pour m'aller, qui laisse pour m'aller trouver. Sinon, vous seul, mon Dieu, vous seul qui capable sauver.